personne vu qu'il n'y a personne. Voilà le sommet de la Bonnette. La Deux-Chevouilles est arrivée juste au lever du soleil. Ok, on prend note. Alors là, on devrait pas tarder à arriver au, on va dire, au premier niveau qui se trouve à 2000 mètres. Voilà, c'est ça. Là, on voit la bergerie, c'est ça. Costaud, hein. Ça je le savais, hein. On l'avait fait déjà avec Fred, avec les GS. Il est courageux, hein, Jérémy, parce qu'avec sa petite Honda, bon, ça passe partout, hein. Enfin presque. Je sais pas si la deux chevaux montera vraiment jusqu'en haut, j'en sais rien. Là on est en première, de toute façon je peux pas passer à la seconde, c'est impossible. Et surtout c'est trop pourri, c'est vraiment des gros cailloux par endroits. Donc faut y aller vraiment doucement. Bon, on verra si on y arrive ou pas. Hein. Juste faut pas casser le matériel. C'est ça. Ça c'est magnifique cet endroit. C'est... De toute façon là le Parpaillon c'est vraiment sublime. Hein. Passage là, passage. Ouais, c'est meumeux hein, quand même. Là c'est la cordillère des Andes. Donc. Mais ouais, non mais c'est dingue. Franchement, voilà, oh, regarde comme c'est beau là. Normalement on est plus très loin du sommet. Hein. C'est long hein, ça fait pas loin d'une heure qu'on est en train de monter. Hein. Non, pas loin d'une heure. Voilà, on arrive enfin au tunnel du Parpaillon.
bien on aura réussi à monter jusqu'au sommet du col du Parpaillon, traverser le tunnel dans les deux. C'est un enfer quand même, hein.